Et voilà. Bonjour. Aujourd'hui, j'interroge Saïd Boumama sur l'Algérie. C'est une émission que vous avez été très nombreux à demander et ça se comprend. On va évidemment parler de l'actualité, c'est ça qui vous préoccupe, qui préoccupe tout le monde. Mais quand même, pour les jeunes et pas seulement qui nous écoutent, je crois qu'on ne peut pas comprendre un pays une situation sans parler un peu de l'histoire. Donc, on va le faire très court. Bienvenue, Saïd. Euh, en quoi l'histoire euh, coloniale détermine la situation d'aujourd'hui euh, Je lisais euh, dans une vidéo d'Alain Soral, j'en ai parlé dans mon livre, il avait déclaré en substance ceci, quand je vois la mer dans laquelle se débat l'Algérie, leur seule chance, c'est que nous, on y revienne, nous, les colonialistes français. Qu'en penses-tu C'est tout proprement scandaleux. Euh, que quelqu'un puisse dire cela indique qu'il a une méconnaissance complète, une volonté de nier ce qu'a été le colonialisme, surtout dans une colonie de peuplement comme l'Algérie. Euh, il faut avoir en tête euh, le vol des terres qu'il y a eu pendant la colonisation et ce que ça a entraîné. Ça a pour entraîné chasser les paysans. Pour chasser, chasser les paysans et un, installer les propriétés des grands colons, et que cela a eu pour, pour conséquence... Eh bien, des situations de famine récurrentes euh, dans lesquelles euh, le nombre de morts a été euh, également de manière régulièrement euh, important. Et avoir, beaucoup de répression. Beaucoup de répression et avoir en tête que rien que la conquête, si je me limite juste à la conquête, euh, bah, c'est près d'un tiers de la population algérienne qui, dit, qui disparaît euh, pour pouvoir conquérir ce pays. Donc euh, oser dire que euh, la chance de l'Algérie serait que la France revienne, c'est ne rien comprendre à l'histoire de l'Algérie et ne rien comprendre aux aspirations du peuple algérien aujourd'hui. Mmh. Euh, pourquoi est-ce que la guerre en Algérie a été si longue et si dure La France a lâché d'autres colonies plus facilement Pour deux raisons. Une première raison qui est une raison de long terme, qui est que l'Algérie était une colonie de peuplement, c'est-à-dire une colonie dans laquelle on a pensé a euh, exterminé complètement le peuple algérien à l'image des indiens comme Israël, euh, en, en, Palestine, comme Israël en Palestine, et euh, effectivement, une grande une communauté française était présente qui est de deux colons euh, importantes, contrairement à d'autres colonies qui étaient uniquement des colonies d'exploitation. Mmh. Là, c'était outre l'exploitation une colonie de peuplement. Et puis, une seconde raison après 1945, euh, la France qui a euh, qui sort affaiblie de la seconde guerre mondiale. Euh, dans un contexte dans lequel on découvre un certain nombre de nouvelles richesses, et en particulier le pétrole, l'uranium, etc., mm -hmm. ne peut pas lâcher, si elle veut garder son rôle de grande puissance, ne peut pas lâcher cette colonie. Il faut se rappeler, euh, le Sahara... Les grandes découvertes pétro-gazières. Il faut se rappeler les essais de bombes nucléaires euh, dans le Sahara algérien. Ça ramène au Niger et à l'uranium. Et, et, et effectivement euh, au niveau gé géostratégique. Et puis euh, on a de grands plans à cette époque-là qui sont euh, euh, l'idée d'installer, euh, puisqu'on très vite on se rend compte que l'indépendance va être inévitable compte tenu de la mobilisation du peuple algérien, on essaye de mettre en place une division de l'Algérie, je le dis par rapport à aujourd'hui, c'est pour ça que c'est important, une division de l'Algérie, en gros, qui couperait le nord de l'Algérie et le sud du Mali pour créer ce qu'ils avaient appelé à l'époque un Sahelistan, autrement dit, créer mmh. un pays artificiel qui serait un pays dont, qui, qui resterait français. Mmh. Euh, c'est euh, la proposition que De Gaulle fait en 1958, euh, et le refus... Du FLN à l'époque va amener la guerre à perdurer euh, encore mmh. plusieurs années. Bien, mais finalement le peuple algérien va réussir à se libérer. Ça a été une résistance héroïque. Et vers euh, dans les années 60, vers 65, Alger c'est le rendez-vous des révolutionnaires du monde entier, révolutionnaires du tiers monde essentiellement. C'est plus comme ça. Comment ça s'est évaporé Alors il faut comprendre d'abord pourquoi Alger a été cela. Euh, la radicalité de la lutte de libération nationale, l'ampleur justement des dégâts de la colonisation, toutes les aspirations que mettait le peuple algérien à cette indépendance. Il ne voyait pas simplement l'idée d'un drapeau ou d'un hymne national. Ce qui était mis derrière, c'est la soif de terre qu'avaient les paysans, c'est la soif d'instruction qu'avaient tous les Algériens qui, avaient, qui pendant la colonisation, ont été euh, mis de côté par rapport à l'enseignement, c'est la, euh, la soif de, de justice sociale. Bref. L'indépendance était investie de l'inverse de ce qu'était mmh. le colonialisme. Et donc en 1962, tous les partis politiques, quels qu'ils soient, sont obligés de prendre en compte ces aspirations. Euh, arrive au pouvoir à ce moment-là un complexe de classe sociale, c'est-à-dire arrive euh, toutes les classes sociales ont été comprimées pendant la colonisation, puisque la colonisation c'est au profit Il y avait un de la front métropole. Uni de libération. Et donc on a une petite bourgeoisie euh, radicalisée qui arrive au pouvoir avec des représentants populaires. Et donc il y a un complexe. Ce complexe, euh, dans les années 60, effectivement, est porteur d'une dimension euh, progressiste. À la fois au niveau interne, c'est le moment d'installation de la médecine gratuite, c'est le moment de généralisation de l'enseignement, c'est le moment des premiers projets de réforme agraire. C'est un moment extrêmement important dans lequel il y a des mobilisations populaires et des acquis sociaux qui vont, enfin des conquêtes sociales qui vont être obtenues euh, par le pouvoir. Et au niveau international, et eh bien effectivement, le soutien à la Palestine, le mmh. soutien aux autres luttes de libération nationale, etc. Pourquoi ça va bouger ben Ça va bouger dans la grande transformation du rapport de force des années 80. Au niveau mondial, on le sait, euh, les ultralibéraux euh, passent à l'offensive. Euh, et en Algérie, on va avoir, après la mort de Boumoudienne, on va avoir euh, une, des, réformes des réformes libérales qui vont se multiplier, qui vont se succéder. Pas des réformes brutales d'un seul coup. Ça va être progressif parce que justement, on a peur des réactions populaires. Mais petit à petit, Va euh, tout ce qui a été acquis pendant les deux premières décennies va se détricoter, va être remis en cause avec la Banque mondiale, le FMI derrière. Alors euh, un peu plus tard, on va avoir avec la baisse du, du prix du pétrole une baisse des devises et le fonds monétaire international va jouer en Algérie comme ailleurs mmh. sur euh, le chantage à la dette pour exiger une accélération des réformes libérales. Et effectivement, le pouvoir à l'époque va les mettre en place. Mmh. Bien, alors ça nous amène effectivement à au problème d'aujourd'hui, est-ce qu'il euh, y a manifestement une nouvelle génération L'Algérie, la, c'est un pays euh, très très jeune, je crois qu'un tiers de la population a moins de 15 ans. Euh, est-ce qu'on peut dire que le problème d'aujourd'hui, est essentiellement économique et social Oui, le problème est d'abord économique et social. Et euh, c'est parce qu'il n'y a pas de possibilité dans le cadre du, du système actuel, que les contestations politiques et sociales puissent s'exprimer okay. autrement qu'on a un mouvement aussi euh, aussi massif donc il y a à la fois la dimension économique et sociale et à la fois pour que euh, le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui continue de fonctionner eh bien on a eu euh, une répression des droits démocratiques mmh. sous couvert d'ailleurs et à juste titre aussi, sous couvert du danger intégriste que euh, de la décennie noire. Et donc, on a joué on sur va, la peur. De, on de va de probablement ça. y venir. On a encore du temps. Mais il est d'abord économique. Mais et je voudrais que tu expliques d'abord bien euh, le problème économique et social. L'Algérie est un pays riche, mais il n'y a pas de travail. Il y a beaucoup de pauvreté. Euh, J'en lisais qu'il y avait un tiers de gens sous le seuil de pauvreté. Donc, euh, pourquoi il n'y a pas de partage? Alors, euh, ben il faut regarder les grandes dimensions des politiques libérales qui se sont mises en place à partir de la fin de la décennie 70 et tout au long de la décennie 80 et 90. On pourrait euh, les regrouper en trois grandes catégories. Une première grande catégorie, ça a été euh, véritablement la, le don d'un certain nombre de propriétés, de villas, ce qu'on a appelé les, les biens publics qui ont été privatisés, qui ont été vendus. Le don, c'est un terme gentil. Voilà, en, en réalité, on les a vendus bien entendu à des coûts bien en dessous du marché et ceux qui se, 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 se sont apparaissés bien, donc c'est des grandes villas, c'est euh, des quasi-châteaux, c'est des biens publics de l'époque de la colonisation, eh bien, ont été vendus à une, toute une classe sociale euh, à, à bas prix et on a eu des enrichissements en l'espace de quelques années et ça, c'est un des éléments de la colère sociale de se rendre compte qu'une partie. Bien, mais les villas, ce n'est pas encore essentiel dans l'appareil économique, les au niveau des entreprises Alors ça, c'est le, le, le premier niveau, c'est les villas, et il faut avoir en tête que cet enrichissement sur les villas va permettre le, la seconde dimension qui va être... La, la privatisation de milliers d'entreprises. Parce qu'il y avait un secteur public très fort. Autrement. Et oui, parce qu'il y avait un vrai projet, en tout cas, il y avait un projet, je, le terme vrai renvoie à des évaluations plus précises, mais un projet d'industrialisation en Algérie, euh, qu'on appelait les industries industrialisantes. Autrement dit, il s'agissait de partir des industries de base, la métallurgie, la sidérurgie, etc., pour ensuite développer les industries secondaires et ensuite les industries de consommation et donc il y avait un projet sur le long terme euh, de développement industriel en Algérie. Une des premières choses qu'a fait euh, qu'ont fait les libéraux en arrivant au pouvoir en Algérie, ça a été de stopper ce plan qui s'inscrivait sur le long terme et donc et ensuite de privatiser ces entreprises. Des milliers d'entreprises ont été privatisées et ont été bradées euh, à euh, ceux qui avaient les moyens de les acheter. C'est-à-dire cette nouvelle bourgeoisie qui s'était enrichie à part, euh, au travers de la spéculation immobilière que euh, qu'on abordait euh, qu'on abordait précédemment. Et euh, ce second niveau va être articulé à un troisième niveau qui va être la libéralisation du commerce extérieur. Autrement dit, mmh. l'ouverture complète des frontières. Et là, on va voir des personnes qui ont acheté des entreprises publiques. Ne pas les faire fonctionner, mais les fermer pour pouvoir être les importateurs des biens que produisaient ces entreprises publiques. Mmh. Autrement dit, on a eu une inflation, un développement extraordinaire de euh, l'import-export, mmh. de, de capitalistes commerciaux, qui en réalité, comme le dit le peuple algérien dans son humour, ne sont pas de l'import-export, mais de l'import-import, puisque mmh. du coup, on n'exporte plus rien, et il ne reste que euh, l'importation de biens qui auparavant étaient produits en Algérie. Et donc on a... Euh, donc ça devient une économie tout à fait parasitaire. Absolument, et qui ne fonctionne juste que sur la rentrée des devises liées au pétrole. Et quand il y en a moins <coughs> Eh bien, l'État a moins de moyens de redistribuer, et donc l'austérité s'installe. Et donc, on a une situation où, en Algérie, les mobilisations populaires amenaient une redistribution plus grande par peur de la, de la révolte, et quand le pétrole baissait, eh bien, une diminution de cette redistribution. Et donc, c'est ce qui explique cette particularité en Algérie d'une situation instable, où à la fois, parfois, il y avait des avancées de redistribution. Et à d'autres moments, des reculs. Et donc, on avait euh, un État qui avait le pouvoir d'acheter la paix sociale à certains moments et qui ne l'avait plus à d'autres moments. D'accord. Donc, si je résume bien, on a euh, le vol des villas et des biens immobiliers, l'enrichissement, la privatisation et vol des entreprises publiques, et puis la fermeture d'entreprises et la transformation en une économie parasitaire. Il y a d'autres pays avec des grandes richesses pétrolières et gazières qui ont subi ça. On a même appelé ça. La maladie hollandaise pour parler d'une économie qui n'est pas saine et qui tourne uniquement sur une ressource naturelle. Absolument, absolument. Euh, euh, Lorsqu'arrive dans un pays une, une rente, s'il n'y a pas un pouvoir qui utilise cette rente à des fins de mmh. développement économique et d'industrialisation, qui se contente d'empocher euh, la rente, effectivement, on débouche sur une économie parasitaire avec, bien entendu, cette manne de redistribution à une clientèle que l'État peut, euh, peut s'offrir. Et donc, c'est ça l'explication de deux chiffres fondamentaux que je pense qu'il faut faire venir dans la discussion. 14 millions de pauvres sur environ 40 millions d'habitants et 10% de la population qui possède 80% des richesses. C'est ça pour toi la, la base du problème actuel Absolument, en ajoutant que euh, ces écarts euh, qui sont soulignés là, euh, sont des écarts qui vont en grandissant. Autrement dit, euh, ce n'est pas simplement une pauvreté structurelle qui, per qui perdurerait, c'est une augmentation de l'écart entre les plus pauvres et les plus, les plus riches en Algérie. D'où ce sentiment d'injustice sociale, d'où cette colère avec cette idée qu'une minorité s'accapare mm -hmm. tous les biens pétroliers, en gros toute la rente. Et donc on a euh, euh, un des mots d'ordre criés dans les manifestations en Algérie, euh, c'est Selachen, les voleurs. Euh, donc on a bien une image de ceux qui sont au sommet de l'État comme volants les biens du peuple algérien. Alors justement, le sommet de l'État, il s'est passé un peu un cirque là. Euh, apparemment, l'élite n'arrive pas à lui trouver un successeur. Pourquoi ben À partir du moment où on est sur une dynamique de clientélisme, autrement dit, euh, on a un État qui redistribue et chacun des requins euh, essaye de se mettre bien avec, euh, avec le chef de l'État et avec sa famille pour pouvoir récupérer le maximum de contrats, etc. Euh, ils sont unis sur le système, sur la mmh. perduration du système, mais bien entendu désunis sur qui va en récolter les fruits. Et donc, euh, on a une classe dominante aujourd'hui qui est à la fois unie dans l'idée d'un libéralisme et d'une économie parasitaire avec redistribution de la rente, et en même temps en contradiction sur les différents secteurs, les différentes fractions de cette bourgeoisie. Divisé sur la question, ça va être moi. Voilà. Et, euh, et les différents clans aujourd'hui qui s'affrontent euh, ne sont pas en situation de l'emporter ni l'un ni l'autre et Bouteflika faisait l'équilibre entre oui, tout ça là, en oui. redistribuant etc euh, et ça montre bien qu'on est dans une dimension de crise politique réelle la classe dominante a des difficultés à trouver un successeur à Bouteflika oui. en témoigne d'ailleurs des des voyous qui euh, ont participé au système et qui aujourd'hui prétendent soutenir le mouvement Alors, populaire justement je voudrais venir à ça parce que on reçoit beaucoup de questions beaucoup de commentaires beaucoup de crainte aussi que la révolte soit récupérée, c'est une révolte populaire, c'est une partie de l'élite qui manipule les deux, les deux, les deux. en réalité le, le cœur de la révolte ou la masse d'offensive la, la base d'offensive de la révolte si on peut on essaye de réfléchir en termes de quantité. Euh, la très grande majorité des manifestants expriment son, son, son milieu populaire, expriment une révolte sociale, expriment une revendication de justice et d'égalité. Ça, c'est pour le, le nombre. Mm -hmm. euh, ce qui n'empêche pas euh, la présence d'un certain nombre de groupes, la présence d'un certain nombre de, de secteurs qui tentent d'instrumentaliser cette colère pour euh, leur propre projet. Pour des voilà, rivaux et voilà. euh, prendre la place à la tête. Euh, quand même, en Algérie. Il y a un pluralisme, donc il y a une opposition et il n'y a pas une alternative à ce niveau-là Alors d'abord, rappelons que cette, ce pluralisme a été lui aussi imposé par les luttes sociales. C'est euh, euh, dans les années 80, la mobilisation populaire qui a amené euh, l'existence de ce pluralisme. Mais très vite, avec euh, la décennie noire, c'est-à-dire avec euh, le drame qu'a connu l'Algérie pendant euh, près d'une décennie de massacres euh, liés à la déstabilisation. Euh, euh, un, un intégriste, le, la classe dominante a utilisé ce, ce, ce contexte-là pour imposer une restriction des droits démocratiques. Mmh. Euh, avec d'ailleurs, pour une partie du peuple, l'idée que ce n'était pas le moment de diviser. Et donc, euh, on avait une classe dominante qui a profité du contexte pour... On dit parfois que le peuple algérien est apathique, qu'il ne bouge pas. C un, donc pour moi, c'est un, être... un signe de, de conscience. Au contraire, je rappelle souvent... Euh, euh, une rencontre que j'ai eue avec de très nombreux syndicalistes euh, il y a encore trois ans dans euh, en Algérie dans lequel ils nous disaient à la fois leur détermination et l'ampleur des luttes qu'ils menaient mais aussi leur très grande prudence pour éviter la déstabilisation parce qu'ils ne voulaient mmh. pas que le que ça soit utilisé à des fins de déstabilisation et donc on n'a pas affaire à un peuple apathique on avait affaire à un peuple qui était dans une contradiction réelle entre le besoin de lutter contre un pouvoir euh, qui était un pouvoir de domination et en même temps euh, la conscience que d'intérêts internationaux pouvaient utiliser euh, cette colère-là ou, ou, ou ces mouvements sociaux-là pour déstabiliser la, le pays. Et donc, euh, tu disais qu'à la fois, il y a eu un certain pluralisme, une certaine ouverture, et en même temps, une répression des partis, un contrôle sur l'information. Absolument. Si vous regardez par exemple la loi sur la création des partis, euh, qui est donc une loi qui s'impose aujourd'hui, ça empêche quasiment euh, l'émergence d'un parti progressiste, d'un parti qui serait un parti populaire, euh, avec des conditions de représentativité dans un nombre de, de villes énormes, avec l'obligation de donner euh, la composition de tout le comité central, avec un certain nombre de conditions qui empêchent l'émergence de, 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 de ce type de force. Et on a un pouvoir qui a été euh, d'une intelligence et d'une stratégie extrêmement importante, qui n'a pas été de s'opposer euh, uniquement aux, à, à l'opposition, mais de lui proposer un certain nombre de sièges, de lui proposer un certain nombre achète. de... Voilà, on les a achetés, on les a euh, utilisés, on a aussi profité du fait que, euh, pour leur très grande majorité, ils partageaient l'optique libérale et donc ils étaient limités dans leur opposition pour les mettre dans des situations de participation au Parlement, de participation dans différentes institutions, de telle sorte qu'on a une opposition qui euh, est en réalité décalée par rapport à la colère populaire. Mmh. Et donc euh, c'est sans doute la caractéristique aujourd'hui euh, en Algérie, c'est une forte opposition populaire mais qui n'a pas d'expression politique et qui ne se reconnaît pas dans l'opposition actuelle. Mmh. Oui. Euh... J'ai envie d'apporter un petit témoignage personnel parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent souvent Tiens, pourquoi vous ne venez pas en Algérie Je suis venu il y a quelques années avec grand plaisir. Je participais à un débat, à un colloque, une ou deux télés. Et puis euh, j'ai essayé que nos livres d'investigation soient diffusés en Algérie, mais bizarrement, euh, on disait Oui, oui, c'est bien, c'est bien, on va arranger ça. Et puis il n'y avait rien qui se faisait. En discussion avec euh, d'importants éditeurs euh, en Algérie, et puis et ça a tombé dans les sables mouvants. Je me suis demandé si euh, le fait que j'avais écrit un livre qui s'appelle Les sept péchés d'Hugo Chavez, montrant qu'un pouvoir qui veut résister à l'impérialisme doit être social et démocratique et développer la participation du peuple, si ça, ce n'était pas mon péché à moi et que donc je n'étais plus tellement euh, désiré à Alger. Euh, bon ça c'est une petite note personnelle, mais ce qu'on voit maintenant dans le, les mouvements, c'est qu'il y a quand même une forte conscience dans la rue et la conscience est en train de se développer là. Absolument Comme, euh, mais c'est une, une des lois euh, du mouvement, de tout mouvement social. À partir du moment où euh, un mouvement s'inscrit dans la durée, il débat euh, et donc euh, euh, les consciences évoluent. Euh, le pire c'est quand un mouvement qui est composé de plusieurs classes sociales, se développe comme une traînée de poudre d'un seul coup et, euh, euh, et s'arrête en dix jours. Mmh. Quand ça s'inscrit dans la durée, inévitablement, euh, ça se décante, des contradictions émergent, des points de vue différents émergent et chacun est obligé de préciser ses positions. Comme les gilets jaunes en France et en Belgique. Absolument. C'est bien que ça dure. Absolument. Je voudrais donner juste un exemple de cette évolution, de cette maturation euh, qui montre que euh, les choses avancent à mon sens, dans le bon sens, avec toutes les prudences qu'il faut garder, ça a été la prise de position de syndicalistes par rapport à la notion de rupture avec le système. Tout mmh. le mouvement parle de rupture avec le système, et on a eu une voix extrêmement intéressante d'un des bastions ouvriers euh, des luttes sociales depuis toujours, qui est euh, la zone industrielle de Rouiba, où les syndicalistes ont fait une déclaration disant que bien entendu, euh, ils étaient avec le mouvement populaire, mmh. que bien entendu, ils étaient pour la rupture, mais que il fallait préciser ce que l'on appelait rupture. Et donnant il faut des que éléments... Ce soit mieux et pas pire. Absolument. Et donnant des éléments de précision sur ce qu'est la rupture, c'est-à-dire une politique antilibérale. Si la rupture sert à accroître le libéralisme, c'est la catastrophe. Des dimensions d'implication populaire. Si la rupture conduit à une nouvelle caste, eh bien on n'aura rien gagné. Des éléments de réforme agraire, etc. Donc on a là euh, une partie du mouvement, des travailleurs, qui donnent leur point de vue précis sur l'issue. Nécessaire à ce mouvement. On a un mouvement qui porte plusieurs issues aujourd'hui. Donc il y a remplacer des... le système par un Chavez ou un Evo Morales et pas par quelque chose comme les émirs des monarchies pétrolières. Exactement, c'est est à cette, à cette, à cette question-là qu'est est, qu confronté le peuple algérien avec un seul problème supplémentaire c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'état du débat des dernières décennies fait que il n'y a pas immédiatement un leader qui euh, auraient euh, la légitimité qu'avait un Chavez ou un Morales mmh. par leur participation aux luttes sociales antérieures. Oui. Euh, on entend beaucoup euh, la peur du chaos. Il faut quand même euh, dire deux mots sur la décennie noire pour les jeunes. Qu'est-ce que c'était Quel a été l'impact La décennie noire et euh, l'instrumentalisation, comme aujourd'hui euh, certains tentent de le faire, d'une colère populaire, qui était la grande révolte des jeunes euh, des, des années 80, euh, et le pouvoir en place a instrumentalisé cela en passant une alliance avec un certain nombre de forces qui prétendaient que l'islam euh, intégriste était la solution. Euh, très vite, la mobilisation populaire a amené à, euh, à une dynamique de lutte euh, contre euh, ceux qui déstabilisaient euh, l'Algérie. Et cette déstabilisation était bien entendu appuyée de l'extérieur par un centre de grandes puissances. Dans mon livre Les Racines de l'intégrisme, je retrace la chronologie des soutiens à ceux qui tentaient de déstabiliser l'Algérie. D'abord du soutien de la France, ensuite du soutien des États-Unis, pour ensuite euh, renoncer à ce soutien parce que le rapport de force populaire était devenu, euh, était devenu massif. C'est-à-dire que comme en Libye, comme en Syrie, et donc avant. Les États-Unis et la France ont utilisé euh, la terreur islamiste Absolument. Rappelons-nous euh, les déclarations des États-Unis disant euh, euh, les islamistes au pouvoir en Algérie ne nous embêtent pas et c'est une perspective pensable. Euh, et c'est le fait qu'il y ait une telle mobilisation, une résistance une mobilisation populaire à cela qui fait qu'on a choisi une autre porte de sortie qui, euh, qui va être celle, celle d'aujourd'hui. En gros, les grandes puissances ont renoncé à ce projet-là dans un premier temps, parce qu'il y avait euh, ce, euh, ce, ce rapport de force. Mais ayant en tête aussi que la décennie noire a été utilisée pour deux autres raisons euh, qui sont moins, moins souvent soulignées. La première, enfin euh, oui, euh, la, la seconde raison d'utilisation de la décennie noire, ça a été à l'ombre de l'angoisse de mort quotidiennement, les gens avaient peur de mourir, mmh. quotidiennement c'était des attentats, etc., eh bien la privatisation s'est accélérée. On a profité, de, les gens n'avaient pas... Euh, le loisir de se mobiliser euh, pour leur entreprise parce qu'ils se mobilisaient pour survivre. Le pouvoir en a profité pour virer à droite. Absolument. Mmh. Et on a donc privatisé, euh, privatisé en masse. Et secondo, on a euh, utilisé cela aussi pour mettre une chape de plomb en disant, attention, si vous euh, êtes trop dans un mouvement social, ça va euh, donner, faire le jeu euh, de, euh, des intégristes et mmh. donc avec le retour. De la décennie noire. Où Et ça... en sont maintenant les islamistes, les intégristes Alors, ils sont encore présents, mais pour un certain nombre d'entre eux, ils ont été, comme les partis d'opposition, ils ont été eux-mêmes euh, décrédibilisés, y compris aux yeux de ceux qui les regardaient parce qu'ils pensaient à tort que c'était une alternative. Et bien, Ils ont été décrédibilisés par leur participation à un certain nombre de fauteuils du pouvoir. Là aussi, on a offert des sièges à ceux qui se prétendaient dans la pureté islamique, on leur a offert des sièges qu'ils ont acceptés et donc ils sont décrédibilisés pour une grande partie du peuple algérien. Ce qui ne veut en pas dire plus dans les poches euh... Exactement. Et donc ils n'apparaissent plus comme une alternative de manière euh, significative, on ne les voit pas dans l'ampleur du mouvement euh, actuel, mais attention, euh, c'est pour l'instant et bien entendu, ils n'ont pas renoncé. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ils ne sont pas massivement présents, ils ne sont pas à la tête des euh, mouvements euh, qui se développent en Algérie. Dans la rue, on voit beaucoup de femmes, ça c'est bien. Absolument. Euh, 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 en réalité, pendant toute cette période de euh, ces 20 dernières années, la société algérienne a, euh, a mûri. Elle a pris en compte les nouvelles générations, il y a un renouvellement de génération, ont pris en compte à la fois euh, le bilan de la décennie noire, mmh. aussi comment ça a été instrumentalisé par ceux qui étaient à la tête du pouvoir, mais aussi le spectacle des guerres à l'extérieur. C'est tout cela qui va être le bain dans lequel émerger... Les une nouvelle guerres génération. à l'extérieur, la Libye, la Syrie. Voilà, absolument. On a vu de manière significative en Algérie des, euh, des pancartes sur... Et un des slogans, un des slogans les plus criés, c'est l'Algérie n'est pas la Syrie. Autrement dit, euh, tous ceux qui voudraient profiter du mouvement social pour déstabiliser, on est conscient. Donc on a cette dimension-là. Parce Mais... que c'est ça qui s'est quand même passé dans plusieurs pays il y a des revendications sociales ou démocratiques euh, en partie légitimes euh, en Libye, en Syrie, etc. Et puis, euh, les États-Unis, la France, comme des petits malins, viennent et en euh, profitent pour en fait amener une aggravation de la situation. Donc, je suppose les Algériens, ils ont peur de ça. Absolument, absolument. Et euh, la discussion avec les syndicalistes dont je parlais, je parlais tout à l'heure, leur manière de dire, à certains moments, on hésite, mm -hmm. y compris dans nos luttes, c'était justement pour... Euh, dans une conscience que oui, ça pouvait être instrumentalisé et utilisé pour, euh, bah pour autre chose que c'est pour il pourquoi ils se battaient. Pourquoi les États-Unis, la France, d'autres peut-être, sont tellement intéressés à l'Algérie Le pétrole, le gaz, euh, la position stratégique Alors, tout ça, tout ça. Oui. Le pétrole et le gaz, oui, l'Algérie euh, est une des sources euh, euh, pétro-gazières euh, importantes aujourd'hui. Euh, mais il y a la dimension géostratégique qui est essentielle également. L'Algérie, c'est la porte de l'Afrique. Euh, c'est celle qui donne le lien avec l'ensemble du reste du continent. Et puis troisièmement, il y a aussi cette spécificité, malgré tout ce que j'ai dit, le pouvoir algérien au niveau international, justement parce qu'il y avait un héritage et parce qu'il y a une conscience populaire qui a toujours porté cela, une dimension, un minimum anti-impérialiste. Autrement dit, un État algérien... Euh, quel qu'il soit, qui ne tiendrait pas une politique d'un minimum d'indépendance euh, par rapport aux grandes puissances, serait un État qui serait immédiatement sous le feu des critiques populaires. Et donc, mmh. l'État algérien a toujours tenté d'apparaître comme équilibré. D'une part, il ouvrait à des contrats avec les, euh, les États-Unis et la France, et d'autre part, il gardait des liens avec les pays émergents, avec la Chine, avec la Russie, mmh. etc. En gros, il jouait des contradictions. Entre ceux qui s'opposent aujourd'hui pour maintenir une espèce d'indépendance. Et euh, dans l'enjeu actuellement en Algérie, euh, le mouvement populaire doit faire extrêmement attention euh, au fait que, au-delà des désaccords avec le pouvoir, euh, ce qui est euh, un objet d'instrumentalisation, c'est un certain nombre de positions qu'a gardées l'Algérie au niveau international. Mmh. Euh, L'Algérie a refusé de participer à la cabale contre l'Iran pour pouvoir l'isoler et pouvoir l'agresser. Mmh. Elle a refusé de cautionner la guerre d'agression contre le Yémen. Elle a euh, refusé euh, de euh, se couper, euh, malgré les chantages, des pays émergents, etc. Et donc et ça le soutient les Palestiniens. Et, et le, soutien, le soutien aux Palestiniens, de manière d'ailleurs significative, bonne nouvelle pour nous tous. À Alger, à Oran, dans les manifestations. On voit euh, d'un seul coup émerger un slogan de soutien à la Palestine, euh, euh, Palestine Chouada, les Palestiniens sont des martyrs, alors que ça n'a rien à voir avec le mouvement social en apparence. Le simple fait qu'il y, qu y ait envie de crier ce slogan-là indique la connexion que font un certain nombre d'Algériens entre la situation internationale et la situation euh, nationale et la volonté de garder une dimension anti-impérialiste. Donc l'Algérie, c'est un poids politique dans toute la question du monde arabe, au-delà du Maghreb. Et alors, euh, ce qui inquiète, c'est la présence des Saouds en Algérie. Absolument, absolument. Euh, les Saouds sont euh, le cheval de Troie de euh, l'impérialisme aujourd'hui. On les retrouve partout où il y a euh, des guerres d'agression. On les retrouve partout où il y a des déstabilisations d'État. Euh, en Algérie, euh, la classe dominante a... Euh, euh, laisser une place aux Saoud, à laisser comme elle l'a laissé aux États-Unis et mmh. à d'autres, etc., pour pouvoir apparaître comme euh, donnant à manger à tout le monde. Euh, mais et bien un entendu... peu calmer peut-être l'agressivité, éviter sûr. Euh, sûr. de nouveau une décennie noire Absolument, mmh. absolument. Bien entendu, euh, dans le contexte d'aujourd'hui, les Saoud ont de très grandes dents. Ils euh, sont intéressés par utiliser le contexte actuel pour euh, euh, augmenter euh, leur part dans, euh, dans le gâteau algérien. Alors, on me transmet deux questions. Il y en a énormément, je suis désolé, on va faire ce qu'on peut. Une question de Sidali D'où viennent les chiffres, un tiers de la population sous le seuil de pauvreté Alors, c'est des chiffres officiels. Vous pourrez les retrouver, euh, les références dans mon article sur le site Investigation, où vous avez l'ensemble des références qui pourront être recherchées. Anna Maria Pourquoi Macron est pour le président algérien Pourquoi la France est contre Chavez et Maduro alors, la France est contre Chavez et Maduro, je commencerai par la fin de la question. Elle est contre Chavez et Maduro parce que la France reste une des puissances qui, aujourd'hui, vit sur une dimension de, de pillage néocolonialiste. Et donc, tout État qui ne développe même pas une politique révolutionnaire, juste une politique nationale, juste une politique qui serait un développement national, ce qui n'est pas le cas de Chavez et Maduro, qui, en plus, développe une dimension plus progressiste. Mais même, si elle se même un État qui se contenterait juste de fonctionner, de manière auto-centrée, eh bien, aurait les foudres des grandes puissances aujourd'hui qui, qui ne vivent que du parasitage, c'est-à-dire qui ne vivent que du pillage euh, des ressources, des matières premières et de l'exportation. Euh, c'est-à-dire on... qu'on ne veut pas que l'Algérie fasse comme la France. Elle doit rester toute Absolument. petite. Absolument. On veut éviter l'émergence de pays industrialisés on a intérêt à les maintenir comme pays sous développés le colonialisme euh, continue, là. absolument. et concernant l'algérie, eh bien, c'est tout simplement parce que euh, on a une concurrence entre les grandes puissances sur qui va euh, maîtriser l'algérie. depuis longtemps, france et usa se bagarrent pour savoir qui va euh, maîtriser en algérie et pour la france, eh bien, la maîtrise de l'algérie est pour elle une manière de sécuriser le reste de son ancien empire, c'est-à-dire cest néocolonies que sont euh, tous les pays d'Afrique subsaharienne euh, pour lesquels, je, je le rappelle, on a encore une monnaie coloniale comme le franc CFA, oui. on a des États qui sont complètement dépendants de Paris. Bref, pour maintenir euh, le verrou sur euh, ces néocolonies, l'Algérie est un élément clé. Donc la France veut contrôler l'Algérie comme elle veut contrôler le Congo, comme elle veut contrôler le Mali, d'autres pays. Est-ce que ça veut dire qu'il y a besoin que... Euh, les, euh, les travailleurs, les couches populaires s'occupent non seulement de leur pays et de l'indépendance de leur pays, mais aussi de la solidarité avec les résistances dans les autres pays africains En fait, c'est essentiel. C'est même incontournable. Euh, il n'y aura pas, à mon sens, de transformation réelle ici en Europe si nous ne sommes pas capables de tisser des ponts. Avec les peuples qui sont dominés par nos propres euh, impérialistes euh, ou qui sont euh, pillés par nos propres impérialistes, parce qu'en réalité, c'est le même système qui est affaibli lorsque, ici, euh, il y a euh, des conquêtes sociales et où, lorsque là-bas, euh, les peuples acquièrent euh, une nationalisation, acquièrent une réforme agraire, acquièrent. Euh, Qu'une grande multinationale euh, française ou états-unienne soit virée, euh, que l'État développe une politique autonome, etc. Aujourd'hui, on a une situation dans laquelle la pauvreté est euh, plus forte en 2019 qu'elle ne l'était dans les années 80. Bref, on a des situations dans lesquelles tous les acquis des luttes de libération nationale commencent mmh. à être mis en cause, non pas comme Soral le dit, parce que les Africains seraient incapables de gérer, mais parce que le rapport de force mondial a amené dans la décennie 80 une recolonisation sous une forme nouvelle de l'Afrique. Mmh. Bien, on a une question de Jazia. Pensez-vous que le risque d'interférence étrangère existe encore Je crois qu'on en a déjà parlé, à moins qu'il y ait quelque chose à ajouter, mais c'est peut-être le moment. Oui, je veux de... oui. juste dire un mot. Quand on regarde l'ensemble des ingérences étrangères dans le monde euh, ces 20 dernières années, on a toute une série de facteurs, d'argumentaires qui sont mis en avant. Je veux sans les citer tous, juste quelques-uns. Euh, on est là pour euh, les droits de l'homme qui seraient menacés par un dictateur mmh. on est là par rapport à une minorité qui serait, qui serait opprimée. Et là, euh, oui, il euh, y a des risques réels. Il y a des risques réels qu faut pas, euh, qui ne doivent pas nous amener à ne pas être dans le mouvement de contestation. Au contraire, il faut y être pour l'orienter dans un, dans un sens de vigilance, euh, mais qui sont réels. Il ne faut pas être naïf. Et en particulier, euh, il est clair que depuis un certain nombre d'années, oui, l'impérialisme français tente d'instrumentaliser la juste revendication euh, des, de, de la masérité pour... Euh, la mettre en, en outil de, divi de, 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 de ouais. division du pays et je pense que il faut avoir ça en tête je voudrais juste indiquer euh, un élément on a euh, un des leaders euh, du Mac mouvement pour l'autonomie de la Kabylie euh, qui a il y a un certain nombre de, fin, il y a quelques semaines euh, juste dit le drapeau algérien faut le mettre à la poubelle euh, rien que ça euh, c'est d'une part une insulte au peuple algérien et y compris aux Amazirs qui se sont battus pour l'indépendance de l'Algérie. D'ailleurs, il a été obligé, c'est de manière très indicateur, il a été obligé de revenir là-dessus. Il a fait une déclaration officielle disant que ça lui a échappé, que tout le monde fait des erreurs, mais en réalité, euh, il y a eu une levée de bouclier dans la population berbérophone qui lui a dit Mais ça va pas la tête, euh, nos parents sont morts pour l'indépendance de ce pays. Et donc, on voit bien qu'il y a à la fois une tentative d'instrumentalisation et en même temps un, euh, une conscience populaire qui réagit à cela. On est dans cet entre-deux-là, dans ce rapport de force intermédiaire. Pour moi, la solution à cela, c'est non pas de bouder le mouvement populaire, mais d'y être pour l'orienter dans le sens de cette vigilance. Alors à propos d'interférences, on a eu l'inévitable Bernard-Henri Lévy qui est venu faire des déclarations d'amour au peuple algérien quand il, après avoir semé la catastrophe dans combien de pays euh, quand on le voit montrer le bout de son nez, on se dit qu'Israël n'est pas très loin. Absolument, absolument. Et euh, euh, la garantie de survie d'Israël, c'est de désarmer tous, tous les États qui peuvent être un soutien à la vie du peuple palestinien. Et secondo, Israël, ne l'oublions pas, ce n'est pas simplement euh, une colonie comme les autres, ce n'est pas simplement euh, un colonisateur qui est euh, parti dans un pays, il y a une spécificité, c'est que l'État d'Israël est au service. De, euh, du système impérialiste mondial, autrement dit, c'est tout le drame du peuple palestinien. Ils ne de, doivent pas seulement s'opposer à Israël, mais à Israël comme outil de mmh. euh, de grande puissance. Et donc, euh, oui, quand Israël pointe son nez, euh, un, on peut y lire euh, des éléments de, de la stratégie mondiale des impérialistes dominants, et en particulier des États-Unis. Et deux, c'est toujours un indicateur qu'il y a une volonté de euh, déstabilisation profonde. D'accord. Je m'approche un peu de l'écran pour voir si nous avons euh, d'autres questions ou interventions euh, ou critiques euh, par rapport à ce qui a été dit. Euh, voilà. Oui, vous avez beaucoup de commentaires. Ça aidez-moi, on essaiera d'y répondre après. Je vois que Joël, de toute façon, qui m'assiste ici aujourd'hui, est venu prendre plusieurs questions. Euh, C'est quoi le projet de Macron sur 5 plus 5 de pays africains, parmi eux l'Algérie, et qui veut rendre euh, l'Algérie au service de la France C'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure, je crois. Hein oui, euh, en, en termes de stratégie française, euh, depuis toujours, il y a la volonté euh, de faire de l'Algérie et de l'ensemble du Maghreb, en réalité, euh, de la couper euh, de son destin africain. Et donc, euh, déjà à l'époque de Sarkozy, il y avait euh, cette idée de l'Union pour la Méditerranée qui, en fait, coupait l'Algérie. Mmh. Euh, du reste de l'Afrique subsaharienne, parce que la dimension anti-impérialiste est commune à toute l'Afrique, euh, et qui, d'un autre côté, en plus, avait l'avantage pour euh, l'impérialisme de réintégrer Israël, mmh. qui faisait partie de l'Union pour la Méditerranée. Et donc, euh, on a eu toute une série de versions de ces projets-là, et euh, Macron ne fait que rajouter une dimension. Il continue ce que Sarkozy avait voulu faire, euh, qu'il avait proposé à Kadhafi, d'ailleurs. Bien, on continuera à répondre un peu plus tard, mais l'heure tourne. Je voudrais dire que pour approfondir euh, les choses qui ont été exposées par euh, Saïd là maintenant, euh, sur le danger des interférences, on a publié chez Investigation un livre de Ahmed Ben Sada, qui, est, qui vit au Canada, non, il vit maintenant à Oran, c'est un chercheur algérien, et il avait publié « Arabesque, enquête sur le rôle des États-Unis dans les révoltes arabes ». Je pense qu'il y a aussi une édition arabe en anglais <coughs> de ce bouquin. Et c'est très très bien parce qu'il montre justement comment en Tunisie, en Égypte, en Libye, euh, les États-Unis avec la CIA ont, essa ont pas essayé, ils ont réussi à manipuler les révoltes pour les casser, pour imposer des dirigeants qui en fait étaient tout à fait compatibles avec les États-Unis et pour empêcher les, les révoltes de, de devenir de vraies révolutions. Donc Arabesque d'Ahmed Ben Sada, extrêmement intéressant. Euh, Saïd est l'auteur euh, tout récemment chez Investigation du manuel stratégique de l'Afrique en deux tomes qui effectivement dit, présente l'Afrique en cinq grandes régions, le sud, le centre, la corne, l'ouest et le Maghreb très important. Et Saïd est <coughs> sur le fait que l'Afrique ne peut pas s'en sortir sans être un, un tout, c'est-à-dire sans être solidaire et sans mener une lutte globale. Le Manuel Stratégique de l'Afrique est en deux tomes. Ici, vous avez le tome 2, dans lequel il y a un très très long chapitre sur l'Algérie, aussi sur les euh, pays voisins. C'est euh, des très beaux livres qui ont été illustrés grâce au euh, travail très créatif et euh, soucieux de David, notre jeune euh, éditeur qui travaille avec nous maintenant. Donc, le Manuel Stratégique de l'Afrique de Saïd Bouamama, je vous le recommande. Et. Euh, la semaine oh, les livres d'investigation, je vous avais dit la semaine passée, on peut les acheter sur notre site. vous avez ici une partie des livres plus, ré, plus récents. J'ai indiqué que nous avons installé un nouveau système pour diminuer les frais de port qui était un problème, c'était trop cher surtout pour certains pays. Et donc, vous avez maintenant euh, des frais de livraison très réduits ou même zéro frais de port, si c'est vous qui venez les chercher dans nos différents dépôts dans les villes qui euh, s'affichent là. Voilà, euh, Saïd, un très grand merci pour euh, cette euh, intervention euh, très claire, très complète, très approfondie, qui nous permet à tous de réfléchir et d'être de, de mis en garde par rapport aux pièges. De, des situations actuelles et des interférences sans que cela casse le risque d'une révolte, parce que je crois que l'exemple de ce qui se passe au Venezuela et dans d'autres pays montre que si on veut résister à l'impérialisme et aux ingérences et au pillages, il faut avoir des bonnes positions non seulement au sommet, mais il faut surtout développer euh, le social, la justice sociale et la démocratie et la participation. Jamais un sommet ne peut résister si le peuple ne suit pas, et donc je crois que l'exemple du Venezuela, de la Bolivie des Vomorales, morales d'autres pays, peut être très très utile. Voilà, merci euh, Saïd. La semaine prochaine, euh, pour un euh, Michel Midi normal, le mardi à 12h, j'accueillerai Mohamed Hassan, que vous avez déjà eu euh, il y a quelques mois ici, et qui nous revient de la Corne de l'Afrique, où il est extrêmement actif pour le moment. Et Mohamed Hassan veut nous expliquer les nouveaux développements dans la Corne de l'Afrique, dans le Moyen-Orient et euh, l'ensemble de la zone aussi euh, vers l'Asie. Comment ça se passe maintenant Vous savez qu'on a publié avec lui un livre, La stratégie du chaos, euh, qui, est, euh, qui explique bien tout ça. Mais il y a une actualisation, il y a une accélération il y a le phénomène Trump, il y a les contradictions États-Unis, Russie, Chine. Et donc. Je crois que ça va être passionnant mardi prochain aussi avec Mohamed Hassan. Je vous donne rendez-vous mardi prochain le 26 à 12h. Passez un bon week-end. Merci à vous.